bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve en ce jeudi sur une nouvelle série, La Poule aux œufs d'or. Je vous montre et je vous explique bien sûr tout ça juste après l'intro. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. On se retrouve donc en ce jeudi, comme tous les jeudis à 17h, voilà, sur la nouvelle série La volaille de Bresse, la poule aux œufs d'or, voilà pourquoi le titre de la série, petit clin d'œil, vous allez très très vite comprendre pourquoi. Donc, série qu'on va faire uniquement en vidéo, on ne va pas faire de live sur cette série, je ne pense pas. Voilà, on va avancer tranquillement, voilà, épisode par épisode. Donc c'est une nouvelle série, vous allez comprendre. Voilà, je voudrais remercier d'abord mon petit Thomas, le simulateur du dimanche, voilà, pour deux raisons. Ben, la première, c'est qu'il nous a offert le bâtiment, le poulailler de Maïsette, et ça c'est juste génial, merci à toi mon poteau. Et bien sûr, la map est privée, d'où les bâtiments de Maïsette, donc voilà, donc la map restera privée, voilà. Mais j'avais très très envie de faire une série sur cette map, voilà, déjà pour lui faire honneur, déjà un petit clin d'œil à lui. Et puis, il y a le bâtiment des poules, et il faut que je voilà, il y a des choses qui vont arriver avec ce bâtiment, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur en plus. Ce bâtiment, on va le tester, voilà, on va jouer ensemble, on va le tester ensemble, bien sûr, en épisode tous les jeudis. Voilà, rendez-vous tous les jeudis à 17h sur cette série. Voilà, il y aura un épisode par semaine. Ouais, comme je vous dis, on ne fera sûrement pas de live sur cette série, mais voilà, on fera des épisodes de 15-20 minutes. C'est pas, voilà. Alors, c'est un peu plat à mon goût, mais moi, j'adore. C'est un peu plat à mon goût. C'est que moi, j'adore le vallonnement. J'adore, voilà, quand les champs sont biscornus. Et là, ils le sont biscornus. Vous allez voir, j'ai semé le colza ici. Regardez, j'ai donc. Il n'y aura pas que des poules sur la série. Il y aura des limousines. Voilà, uniquement limousines et poules. Vous allez voir, j'en ai mis un paquet des poupoules. Et pour acheter la chanson, en plus, petit clin d'œil à mon petit Seb du Nord, qui a froid, je passe le bonjour, bien sûr, à la Farming Family, ainsi qu'à mes modérateurs. Voilà, viens, poupoule. Et alors, je rigole parce que à l'époque, quand j'étais petit, ma maman, elle nous avait chanté ça. Et je ne sais plus pourquoi, c'était parti sur un délire avec ma tata. Avec ma tati, voilà, qui je passe le bonjour, bien sûr. Et voilà, je sais plus. Et c'était tati poulet, voilà. Et voilà, bon, parce qu'elle achetait souvent des poulets à ma maman, et c'était parti de là l'histoire, voilà. Et d'où le nom, d'où le Viens Poupou, la célèbre chanson. Voilà, petit clin d'œil. En tout cas, voilà, donc le bâtiment, il est là. Il est juste sublime, ce bâtiment. Regardez, vous pouvez ouvrir et fermer, voilà, ici, les côtés. Il est vraiment très, très réaliste. Ici, ça, je ne sais pas ce que c'est. On va essayer, on va tester. Ça marche? Oui, ça marche. Regardez, c'est l'eau qui monte et l'eau qui descend. Je crois qu'il y a les mangeoires aussi qui montent et qui descendent. Ah ben oui, les mangeoires montent et descendent. C'est juste extraordinaire, ce bâtiment, comme il est bien fait. Il était placé sur la map quand je suis arrivé. Donc forcément, j'ai pas voulu regarder. Regardez ici, vous avez le blé. Donc j'ai fait un petit peu de stock de blé. Voilà. Je suis parti avec 1,5 million et 100 000 de crédit pour juste jongler un petit peu ce qui me manquait. Voilà, et encore, il manque des choses. Vous allez voir qu'il manque des choses. Mais c'est pas grave, on achètera au fur et à mesure. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai placé le vis sans fin. Moi, j'appelle ça un vis sans fin. Je vais prendre juste un petit peu de hauteur pour montrer, voilà, la mangeoire. Ici, elles pâturent. Regardez, elles sont dehors. Je leur ai ouvert, voilà, pour dire deux. Il faudra penser à chaque fin d'épisode, bien sûr, de leur fermer, suivant l'heure, bien évidemment. Suivant l'heure, on fermera, bien sûr, les portes. Attendez, c'est pas fini. Je vous montre, regardez, c'est juste génial, c'est juste magnifique. Donc voilà, la poule aux œufs d'or. Je vous montrerai le nombre de poules que j'ai mis, vous allez comprendre. Ici, bien sûr, il y a les lumières. Hein, normalement, on doit pouvoir allumer les lumières, voilà. Les lumières du poulailler. Ici, vous avez, regardez, c'est la porte. C'est quoi cette porte?
Je vois qu'il y a une porte là. Ah oui, mais parce qu'en fait, regardez, hop. Ah, ça, Mindset, il y a un petit souci là quand même. Hein. Il nous a mis la porte, vous avez vu? Bon, c'est pas grave. Et voilà, vous avez les œufs qui spawnent ici. Je pense qu'on peut les mettre sur palette. Je ne sais même pas si ça fonctionne, ça. Il faudra voir. On testera, voilà. Mais ça a l'air vraiment, vraiment sympa. Je ne pense pas, je pense pas que ça fonctionne. Il y a la lumière, voilà. Et ensuite, on peut ouvrir. Attendez, si j'arrive à sortir, hop, je vous montre ça. Et après, on fera une petite activité. Ne vous inquiétez pas. Ici, je vais fermer cette porte. Qu'on soit tranquille. Et ici, on va ouvrir. Voilà, on va ouvrir ça. Et je suppose que, bien évidemment, ça monte. Vous allez voir, on va essayer de le faire monter. Je sais pas. Ah oui, mais ça monte. Mais si on... Vous voyez, c'est dommage que Mindset il ait fait ça parce qu'on ne peut pas rentrer si jamais... bon, je suppose que... Voilà, vous voyez, regardez. Regardez comme c'est génial. Donc, on mettra les palettes d'œufs ici. Et une... quand elles seront, bien sûr, voilà, regardez, ça va sûrement s'arrêter là. Voilà, c'est juste génial quand même. Hein. On va pouvoir ressortir. Et regardez, hop, vous avez les palettes d'œufs qui ont spawné ici et qui sont montées à hauteur. Et on peut venir les chercher, les récupérer. Voilà. Alors, j'ai une idée. J'ai une idée sur un roleplay, bien évidemment, qui se fera, voilà, pas sur cette map, mais sur une autre map. Sur une autre map. Avec mais ce poulailler, je l'attendais avec impatience. Voilà. Il faut que j'en parle avec mon Romagri et avec les gars qui joueront, bien évidemment, dans le roleplay. Mais ne vous inquiétez pas. Ça viendra bien sûr ça aussi en temps et en heure voulu. Ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai rien mis du tout. Il y a des bâtiments voilà, de rangement, il y a des bâtiments de stockage. Ici, il y a le bâtiment de stockage à grains, vous voyez. C'est juste, ouais, c'est magnifique ce bâtiment, il est juste sublime. Vous pouvez rentrer, vous pouvez allumer la lumière, les cellules, c'est dommage, les cellules ne marchent pas. Là, on ne voit pas qu'il y a cellules 1, 2, 3, c'est dommage, elles ne sont pas. Ça serait bien qu'on puisse voir si c'est rempli. Mais on voit en bas, voilà, j'ai un peu de blé, j'ai un peu de stock de blé. Voilà. On n'entend pas la soufflerie, je crois pas. Ici, j'ai mis, voilà, donc une herse étrille et une herse, une bineuse, voilà, une bineuse à maïs. On verra si on fait du tour de sol, on verra ce qu'on fait comme céréales, bien évidemment. J'ai mis les bottes de paille pour les limousines, voilà, il faut pas oublier qu'on a les limousines, bien sûr, voilà, les limousines. Ici, le temps calé, on ne s'en servira pas pour la simple et bonne raison qu'on a les limousines. Donc, les limousines, vous le savez, font pas de lait, elles font des veaux. Ici, je me suis mis... Ah, je me suis fait un petit kiff, les gars. Je me suis fait un petit kiff. Il est sur mon site internet, bien sûr, setfarmer12.com. N'hésitez pas à aller checker. Tous les mods que j'utilise là sont sur mon site, les gars. Si vous voulez aller les chercher, les récupérer, voilà, vous pouvez, bien sûr, y aller avec mille plaisir. Voilà. Ensuite, vous avez... j'ai repris un petit peu... Alors, j'ai repris... Voilà, moi, je veux dire, vous allez dire, mais putain, Seth, tu fais chier. Tu prends toujours les mêmes mods, tu prends toujours les mêmes tracteurs. Ouais. Ok, mais j'adore ces tracteurs. Je suis fan de ces cases. Je suis fan de John Deere. Voilà. J'ai pas pris de Fendt sur cette série, bien évidemment. Dimanche, on se retrouvera en live. Vous verrez du Fendt. Voilà, sur ma ferme Allstream. Ou sur, bien sûr, No Man's Land, mais peu importe. Hein, mais vous verrez du Fendt. Ici, bon, c'est vrai. Alors, au niveau des champs, j'ai pas acheté non plus 50 millions de champs. On agrandira bien sûr la ferme. Et je vous montre les. Donc, j'ai mis le mode en 6 jours, c'est-à-dire 2 jours semaine. Voilà. Sur 4 semaines, ça fait 2, 4, 6. Voilà. Ensuite, le mode saison, bien évidemment, la map, elle est là, voilà, je vous la montre, mais alors j'ai un souci, voilà, ici c'est l'Ain, voilà, donc petit clin d'œil à l'Ain, les plaines de l'Ain, bien sûr, voilà, la plaine et map française, voilà, donc c'est plat dans l'Ain, voilà, je ne connais pas du tout, mais ceci étant dit, ça fait plaisir de jouer sur une map que mon petit Thomas a fait, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. On a les prévisions météo, on a le mode saison, donc comme je disais, sur 4 jours, sur 2 jours, donc sur 4 semaines, sur 2 jours, sur 2 jours, une semaine, voilà. Et bien évidemment, on va travailler, voilà, donc pour alimenter les vaches, j'ai acheté donc de la paille, voilà, de la paille et de l'enrubanage uniquement, voilà, voilà, voilà. Je tiens à dire aussi que la dessineuse de Robert, c'est pas la dessineuse de mon petit Bruno, c'est l'autre pack Robert que j'ai mis sur mon site aussi. Le pack, bien sûr, Robert, de mon ami Bruno, est sur mon site aussi. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout mis. Donc, voilà, j'ai pris faucheuse, groupe de fauches, Stella, ouais, Stella, reste là, Stella. Voilà, on va essayer de jouer le plus possible, mais c'est vrai que c'est... Alors, suivant, bien sûr, voilà ce qu'on fait, suivant l'activité qu'on a, effectivement, c'est compliqué de jouer en vue intérieure, mais on va essayer, on va le tester. On va tester de jouer en vue intérieure. Attendez, hop, je vais avancer un peu. Et on va allumer la faucheuse. Voilà. Allez, c'est parti. On va faucher ça. On va le pirouetter l'endéné. Et le botteler. Et le presser. On va voir. Alors là, c'est cool. Mais je crois qu'on ne passe pas à travers.
C'est cool, mais je crois qu'on passe pas à travers, si. Non, on passe pas à travers, vous voyez. On passe pas à travers. Bon, mais c'est pas grave. On va faire ça tranquillement. Regardez, on va faire ça même. Hop, on va regarder que ça passe au poteau. Vous allez voir. Le poteau. Voilà, ça passe. Voyez, on y arrive, même en vue intérieure. En tout cas, voilà, j'espère que cette série, bien sûr, va vous plaire. J'aimerais un maximum de vues, bien sûr, et de pouces bleus aussi, parce que c'est important, les pouces bleus, pour nous, vis-à-vis, on va dire, du référencement YouTube, juste. Voilà, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, comme j'ai envie de dire. Et bien évidemment, voilà, mon code partenaire, 7Farmer12, pour acheter le jeu. Voilà, ça m'aide aussi énormément. Merci à tous ceux qui le font. Ça avance bien, ça monte bien tranquillement, voilà. En tout cas, voilà, j'espère, n'hésitez pas, bien sûr, il y a max de pouces bleus. Bon, site internet, je vous l'ai dit, 7farmer12.com, voilà, pour les petites actualités. N'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà, à la chaîne, tout simplement, et je vous en remercie. Et aussi, aux chaînes des poteaux, voilà, ça leur fera plaisir, bien sûr, ce qui est normal. Alors, si un poteau, mon petit Thomas, est en collision, je suppose que l'autre est en collision aussi. Mais bon, c'est pas grave, on refera de l'herbe, parce que je crois que j'ai acheté que ce champ d'herbe. Je regarderai si je ne peux pas en acheter un autre, quitte à augmenter un petit peu les finances. On verra ça, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je suis vraiment très, très heureux de vous retrouver sur une nouvelle série, voilà, un nouvel élan, un petit peu, entre guillemets. Voilà, puisque j'ai remarqué, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour tout le monde en ce moment. C'est vrai que farming est compliqué dans le sens où on attendait tellement de choses de cet opus voilà, on reste un petit peu, voilà, malheureusement, sur... certaines choses, on reste un petit peu, on se dit, voilà, ils auraient pu pousser plus loin le bordel, et finalement, bon, ils l'ont pas fait, tant pis, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, moi j'adore ce jeu, je le kiffe, et j'espère que ça se ressent, bien sûr, à travers, bien sûr, mes épisodes. Alors, il y aura de l'accéléré, sûrement dans cet épisode, il va y avoir de l'accéléré, parce que, pour la simple et bonne raison que, sinon, l'activité, je n'arrive pas à la faire au bout, donc, j'arrive pas à aller au bout, donc on se retrouvera sûrement, voilà, on va se retrouver, on va faire un petit accéléré, et puis on se retrouvera dans l'épisode, pour finir l'épisode, bien sûr, ensemble. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que les accélérés, c'est quand même sympa, parce que ça nous permet de faire l'activité, vous voyez, jusqu'au bout. Hop, et voilà, hop, on va reculer, hop, allez, ferme-toi, toi, bon Dieu, à chaque fois, ça marche, voilà, ça marche. Donc, vous allez voir que mon petit Thomas, il a fait ce qu'il faut, il y a juste un petit truc qu'il faudrait qu'il modifie, mais je sais pas s'il peut le modifier, c'est cette espèce de tour-là qu'il a mis, elle est un peu près de la route, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est pas très grave, parce que, alors, avec le groupe de fauches, ça passe, avec beaucoup de matériel accroché au tracteur, ça passe, mais avec une remorque, c'est un peu plus compliqué. Et il nous a fait le chemin, je ne sais pas si dans l'Aigle, ça saute comme ça, mais en tout cas, dans l'Aveyron, il y a des chemins, croyez-moi, qui sautent tout autant. Voilà. En tout cas, voilà, je suis fier, voilà, de faire cette série, et je suis très, très heureux, bien sûr, de vous retrouver. Bien évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se quitter là pour le petit accéléré, on va dire, du fanage, et, enfin, de la pirouette et de l'endaineur. Au moins, vous aurez deux activités, en accéléré. Et ensuite, on se retrouvera, bien sûr, pour presser en vidéo. Voilà, on se retrouvera pour presser tranquillement. Attendez, on va atteler lui. On fera avec le petit, hein, bien sûr. Vous allez voir, pour pirouetter et pour endainer. Voilà, franchement, ça ne sert à rien d'avoir... voilà. Au niveau des puissances, je n'ai pas pris non plus énormément de puissance. Ça ne sert à rien. La map ne le nécessite pas. Voilà, je fais que des bêtises. Hop, voilà, c'est ce que je voulais faire. Et on va atteler la presse, voilà, presse classe. Ouais, presse classe, ouais. Ah ben, je l'attellerai après, parce que je vais être embêté sinon. Alors, on va le laisser là, vous allez voir. Donc, franchement, magnifique case. Moi, j'adore ces cases. Donc là, c'est le 145 ou 155 chevaux maxi. Je vais vous le dire de suite. Comme ça, vous verrez un petit peu le matériel. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai le 155 chevaux et le 100 chevaux. Et le John Deere qui fait 92 chevaux. Le John Deere, c'est uniquement pour tout ce qui est alimentation, paillage et travaux, voilà, travaux à la ferme. On se retrouve juste après le petit accéléré. Je vous dis à tout de suite, les amis. I wanna be with you. I wanna
et re les amis. Voilà, donc j'espère que ce petit accéléré vous aura plu. J'espère voilà, que ça vous aura plu. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner aussi. Et je vous en remercie d'avance. Allez, donc on se retrouve donc avec ce magnifique mode. Donc c'est la presse classe Univrap. Bien sûr, voilà. Mais vous allez voir que là, je ne peux pas l'activer. Parce que tout simplement, elle me demande de mettre, regardez, vous voyez, voilà, ça y est, les rouleaux. Donc ça y est, c'est fait, chose faite. Donc on va pouvoir aller maintenant presser tranquillement. Et puis, on se quittera sur ce, voilà, sur le pressage, les amis. On ramassera les bottes la prochaine fois. Moi, je commencerai l'alimentation un petit peu aux vaches, voilà, histoire de ne pas avoir de retard. Puis qu'elles puissent commencer à produire, bien sûr, des veaux, ouais, voilà, parce que c'est important. Alors, on va presser en vue extérieure, ce sera peut-être plus joli pour vous. Que si je le fais en vue intérieure, on va essayer de faire un peu un mix des deux. Voilà. En tout cas, j'espère que cette série voilà, va vous plaire, les amis. En tout cas, moi, j'ai vraiment la hype de la tournée. Vous voyez, alors, c'est un peu limite, mon petit Thomas. Voilà, bon, on peut rentrer de l'autre côté, mais ça passe quand même. Hein, vous voyez, là, ça fonctionne. Vous allez voir, on va pouvoir faire des bottes. J'ai pas regardé si on pouvait régler la taille des bottes, par contre, mais bon, c'est pas grave. On va faire des bottes de foin. Hop, attendez, bougez pas. On va faire ça comme ça. On va revenir ici. Voilà, donc ça c'est un mode, bien sûr, mode que voilà, j'ai mis sur mon site internet. Alors, sur mon site internet, vous avez le mode, en fait, c'est juste, alors il y a les presses et il y a aussi, bien sûr, les filets. Voilà, donc n'hésitez pas à les checker, c'est à Fenaison. Voilà, j'ai essayé de vous faire des catégories un petit peu de chaque outil. J'essaierai de vous faire une autre catégorie. C'est vrai que mon petit Dylan il m'y a fait penser l'autre jour. Matériel, ancien matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, du vieux matériel. Pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, et je vous ferai ça à la rigueur. Je mettrai une autre page où, voilà, et peut-être que je ferai d'autres catégories de mode. Ça peut être sympa, comme ça, c'est classé, c'est clair. Comparé à au FS19, effectivement, vous voyez, hop, allez, ça ficelle, on va dire, ça met le filet. Et là, elle devrait sortir normalement. Alors, je ne sais pas si le truc activation automatique est activé. Non, on la libérera quand elle sera à nouveau pleine. J'ai hésité avec la Kuhn. C'est vrai que niveau puissance, c'est exactement la même chose. J'ai hésité avec la Kuhn. Voilà, dites-moi, si jamais on changera, votre avis est important aussi. Pourquoi pas? C'est vrai que la Kuhn, la Vicon, c'est moi qui me plante, la Kneverland Vicon. C'est vrai qu'elle a une chambre, donc du coup, ce qui fait que, pas une chambre à coucher, mon petit Rom Casa, je passe le bonjour, bien sûr, mais une chambre, une pré-chambre, et donc c'est vrai que ça évite de s'arrêter. Bien évidemment, on peut continuer à presser tout en avançant, mais c'est vrai que, c'est pas grave, hein, on s'en fout, c'est un détail, quoi. Mais bon, voilà. Après, j'ai pris le pic Robert aussi, voilà, je voulais vous le... voilà, j'ai pris ça comme petit pic. Là, on peut regarder, hop, comme ça, on peut mettre ça à côté et on peut continuer. On groupe un peu les bottes. C'est vrai que ce qu'on ne fait pas forcément avec une presse simple qui n'a pas le plateau d'enrubanage derrière, on ne peut pas voilà, grouper les bottes. On avance, on pose et puis on chie la botte là. Et puis après, il faut les ramasser les unes après les autres. Bon, ce n'est pas très grave non plus, vous me direz, mais c'est quand même mieux quand c'est groupé. Ça m'évite, moi, d'aller derrière pour les regrouper. Et c'est quand même plus sympa, on va dire. Bah bon. Là, je suis en train de casser le cardan. Je l'ai plié en deux. Il n'y a pas énormément d'andaine non plus. Alors, quand on recule, normalement, bien sûr, on lève le pick-up. Hein, on ne recule pas. Enfin, on peut lever le pick-up, même s'il est sur des roulettes et que ça ne gêne pas, que ça ne risque rien. C'est quand même, je dirais, c'est quand même plus prudent, on va dire. Là, je ne suis pas à 100%. Voilà, cette fois-ci, je suis à 100%. Alors, vous voyez, la botte ne sort pas de suite. Il faut que d'abord le filet s'enclenche. Donc, on voit bien qu'au niveau de la ficelle là-bas, enfin, du filet, ça réduit. Une fois qu'il arrive à zéro, bien sûr, une fois qu'il arrive à zéro, c'est à ce moment-là que vous le changez. Voilà, tout simplement. C'est vrai que ce petit mode, je n'en avais pas parlé, mais c'est dans des caisses, voilà, dans des palettes. Vous le trouvez à palette. Et vous avez, bien sûr, les modes, les presses qui utilisent ce mode. C'est un mode bien particulier. Voilà, je voudrais aussi revenir. N'hésitez pas à aller voir la vidéo explicative, que ce soit de Gwendal, je crois, ou de mon petit Bruno, Univers Simu, sur les trucs à graisse, là. C'est dommage que ce soit un mode qu'on soit obligé de placer par Giant Editor, parce que ça va en arrêter plus d'un. Et c'est vrai que c'est un mode qui est un peu plus réaliste. C'est vrai que beaucoup de matériel, ne serait-ce que, par exemple, la presse, là,
Eh bien, ils utilisent bien sûr des pompes à graisse générales, des bidons, des petits bidons de graisse. Voilà, et c'est dommage qu'on soit obligé de le placer par Giant Elitor, parce que ça a l'air quand même assez compliqué à placer. Mine de rien, il faut s'y connaître un petit peu. C'est un petit peu dommage, c'est un très très beau mode. Voilà, mais ça va en arrêter plus d'un malheureusement. Voilà, et c'est uniquement compatible, bien sûr, PC. Ce genre de mode-là, je ne vous l'ai pas mis sur mon site parce que, pour la simple et bonne raison que c'est quand même assez compliqué pour l'installer. Après, vous le trouvez sur le modem. Si jamais vous le voulez vraiment sur mon site, je vous le mettrai. Mais voilà, vous retrouvez des bidons de graisse. Et voilà, mais ouais, sachez qu'il faut le placer sur Giant Editor, quoi. Donc, j'ai vu que mon petit Bruno, j'ai suivi son tuto. Et alors, moi, je ne m'y connais pas énormément non plus, mais. Justement, c'est quand même, ça a l'air quand même balèze. Donc voilà, ne pas faire, voilà, pour les novices, c'est un petit peu, voilà, il faut bien bien suivre le tuto. Voilà. Et écoutez, on va s'arrêter là pour ce petit épisode, les amis. Premier épisode d'une longue série. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, voilà, on a fait 4 bottes de foin. J'ai 6 000 €. On augmentera peut-être un petit peu le crédit et j'achèterai un petit peu de foin que j'irai récupérer à la concession. Après, je n'ai pas grand-chose de plus à acheter, donc c'est cool. Ça va commencer à produire. Au niveau des vaches, j'ai pris des vaches milieu de gamme, j'allais dire, des vaches entre deux, puis qu'elles puissent produire, qu'elles puissent faire des petits veaux et me rapporter un petit peu d'argent quand même assez rapidement. Au niveau des poules, vous voyez, j'en ai pris plus de 300, donc du coup, c'est cool. Je vais vous montrer, avant de vous quitter, on va rentrer ça juste là. Vous allez voir, je vais vous montrer. Je vais le mettre là, ce n'est pas grave, je vais le laisser le long là. Je le rangerai tout à l'heure. Allez, hop. Voilà. On va ouvrir la porte. On va faire ça réaliste. Hein. Hop. Et regardez. Donc, je vous montre au niveau des poules. Au niveau des animaux, les gars. J'ai pris donc 60 vaches, pardon. Vous voyez, à 92 €. Donc, c'est vraiment des limousines. Voilà. Je crois que c'est. Alors, parce que justement, je n'ai pas donné de l'alimentation, tout ça. Mais il me semble que j'ai pris des limousines milieu de gamme. J'en suis même pas sûr. Je crois que j'ai pris des neufs, j'allais dire. Récente, bon bref, on s'en fout. Et au niveau des poules, regardez, donc j'ai mis pas mal de poules, j'en ai mis 180, 120 et j'ai mis 2 coques, donc c'est pour ça que ça produit énormément et on peut encore en mettre beaucoup plus. Je crois que la capacité, c'est à peu près 500 poules. Je vais vous le dire de suite, puisque ce poulailler il est là, regardez. Et quand vous venez ici, c'est ici qu'on met les poules, vous voyez, donc on peut mettre 570 poules, on arrivera à 570 poules et le but. L'objectif, bien évidemment, c'est d'arriver à 570 poules, hein, au max. Mais là, on est à plus de la moitié, donc c'est cool. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas, bien sûr, à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. N'hésitez pas à checker les liens, voilà, que je vous mets en description. Et je vous en remercie d'avance. C'est Farmer 12, le Geek Story. Je vous souhaite, bien sûr, à tous et à toutes une excellente fin de semaine, un très bon week-end. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye!